Bonjour à tous. Aujourd'hui, changement de couleur, changement d'ambiance, puisque je vous emmène avec moi sur les pentes de ski de Villard-de-Lans. Villard-de-Lans, dans le Vercors, en Isère. Et donc, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de partir en van au ski, tout en ayant des températures assez froides, puisque là-bas, on aura jusqu'à du moins 6, moins 7 degrés. Je vais vous montrer comment je m'organise en arrivant, pour bien isoler mon van et puis être plus efficace. Et je vais vous montrer aussi comment j'utilise mon camp de stove, les petites astuces, les bonnes pratiques à avoir. J'en profite avant de démarrer la vidéo pour faire un petit rappel sur l'utilisation du camp de stove. Donc je vous demande de bien respecter les consignes que je fournis avec le camp de stove à la livraison ou les consignes que vous pouvez aussi retrouver sur le site campdestove.com. Donc c'est important de bien respecter son utilisation, sa mise en place, notamment par rapport à son tuyau d'évacuation en inox. Donc c'est un tuyau de 25 mm qui doit bien rentrer dans le camp de stove. Donc ne cherchez pas à le modifier ou à faire en sorte qu'il fonctionne mieux. Sa température idéale de fonctionnement est autour de 120-130 degrés. Il pourra monter au maximum jusqu'à 150 degrés. Donc voilà, donc je voulais faire ce petit rappel là avant de démarrer la vidéo. Mais écoutez, je prépare mon van et puis on se retrouve là-haut. Snapping one, two, where are you? You're still in my heart. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my heart. Cause I might snap. I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Donc là, je viens juste d'arriver à Villard-de-Lans. Il fait moins 4, il est 11h36. Donc le choix de mon emplacement, bon après, on est hors saison, donc on peut un peu se garer où on veut, c'est ça qui est bien. Et donc le choix que j'ai fait, c'est de me mettre derrière un talus là. Donc, ce qui fait que s'il y a du vent, je serai abrité des vents dominants. Hein, donc ça, c'est aussi des petits réflexes qu'il faut avoir, c'est essayer de trouver des endroits où on peut être abrité du vent. Donc là, première chose que je fais tout de suite en arrivant, c'est que j'allume mon camp de stove. Donc je vais mettre à préchauffer. Donc là, je préchauffe, j'allume juste 4 mèches. Je mets la barquette dans le poêle comme ça et je laisse le tiroir ouvert. Bon, après, 1 cm ça suffit. Hein. C'est juste pour créer mettre en place le tirage du poêle. Donc là, comme la météo est annoncée assez froide, là il fait déjà moins 4,
Ils annoncent du moins 7 pour les jours à venir. Donc là, ce que je fais, je mets un deuxième plaid en isolation. Donc là, j'en ai déjà un là qui est fixé. Et j'en mets un deuxième que je fixe avec des aimants par l'intérieur. Donc c'est assez simple, mais ça améliore encore l'efficacité d'isolation par rapport aux ouvertures. Hop. Donc ça c'est simple, hein. Je mets juste des gros aimants. Bon, ils sont pas très puissants ceux-là, j'aurais dû prendre des aimants plus gros, mais bon, j'ai que ça, donc je les utilise comme ça. Hop. Donc là également, ce que je fais, comme je vais rester plusieurs jours au même endroit, je mets les isolations des fenêtres. C'est les isolations qu'on utilise surtout l'été, mais voilà, je m'en sers aussi en plus l'hiver. Donc ça améliore un peu le confort. Bon, dans l'idéal, celui du pare-brise devrait être dans l'autre sens pour mieux protéger de la chaleur, mais bon, ça marche déjà très bien. Donc je fais comme ça. Et entre les deux, je rajoute encore une fois deux plaids. Donc là, un plaid comme ça et un second comme ça que je vais mettre ici. Et donc du coup, j'optimise au maximum l'isolation pour limiter au maximum la déperdition de chaleur. Voilà. Alors pour ceux qui ont des vannes tout vitrées, je voulais vous présenter l'isolation de ma porte latérale. Ça peut être très utile pour ceux qui ont des vannes qui sont complètement vitrées. Donc l'idée, c'est celle-ci. C'est que j'ai fait un cadre en bois tout autour de la fenêtre. Donc ce que j'ai fait, je me suis arrangé à ce que le cadre soit bien carré. Parce que c'est le problème des vannes. Tout est en forme, tout est arrondi et du coup c'est assez compliqué. Derrière le cadre, j'ai isolé la porte et ce que j'ai fait, j'ai mis un système de tendeur comme ça qui se met en triangle et que quand je n'utilise pas, j'ai des petits crochets ici. Hop. Et donc quand je n'utilise pas, ça se met comme ça. Donc il y a les petits crochets là qui viennent tenir le petit... Voilà, comme ça. Donc du coup, j'ai une fenêtre qui est complètement dégagée quand j'ai pas besoin de l'isoler. Et quand j'ai besoin de l'isoler, j'enlève les deux petits crochets ici dans les coins. Celui du coin là-bas aussi. Hop. Voilà. Et ensuite, je prends au milieu et je reviens mettre un crochet que j'ai en bas. Donc du coup, ça me fait une sorte de filet comme ça, avec les tendeurs qui sont en travers de la fenêtre. Et dedans, je viens y coincer. Alors après, on y met ce qu'on veut. Moi, j'ai récupéré des vieux oreillers que j'avais à la maison. Vous pouvez mettre des coussins, etc. Et du coup, je viens coincer mes oreillers. Voilà. Et ça, c'est hyper efficace. Ça me protège bien du froid de la fenêtre. Donc ça, c'est super efficace. Ça me protège bien du froid de la fenêtre. L'avantage, c'est complètement opaque. Donc c'est-à-dire que là, de l'extérieur, quand je suis à l'intérieur, ben, personne ne me voit, personne ne sait même que la lumière est allumée. Donc en gros, si on veut être discret, on ne peut pas savoir qu'il y a quelqu'un dans le van, même quand j'ai ma lumière qui est allumée. Et ça me permet de bien me protéger du froid. Et surtout, maintenant, j'ai plus besoin de mettre deux plaids ou sur là-haut là, pour me protéger. Avant, je mettais un rideau ici. Et du coup, quand j'ouvre la porte, ben, je suis plus embêté. J'ai plus le rideau qui me gêne. Je peux ouvrir ma porte beaucoup plus facilement sans m'embêter. Donc là, ce que j'ai fait tout de suite en arrivant, c'est que j'ai démarré mon poêle. Donc là, il est en train de préchauffer. Donc là, j'ai les 6 mèches qui sont allumées. Le poêle, il arrive à 100 degrés environ. Tout à l'heure, j'ai une mèche qui s'est éteinte. Mais ça, c'est normal. Ça arrive souvent, le temps qui monte en température. Ça peut arriver qu'il y ait une mèche qui s'éteigne. Donc c'est tout à fait normal. Donc il faut le surveiller, le temps qui monte bien en température. La bonne température, c'est environ... il est bien chaud, autour de 100 degrés. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément de petit thermomètre, comme moi j'ai là sur le haut du poêle, le repère, c'est jusqu'à ce que la cire soit quasiment toute liquide. Ça, c'est le repère qui vous permet de vous dire que le poêle est bien chaud. Donc le temps qu'il préchauffe, eh bien, je laisse légèrement le tiroir ouvert d'environ 5 mm, à peine 1 cm. Quoi. Hein, donc l'idée, c'est d'améliorer l'entrée d'air frais pour améliorer le tirage. Et pendant tout mon séjour, pendant les 3-4 jours que je vais être là, je ne vais pas laisser le van se refroidir du tout. Pendant que je vais aller skier tout ça, je vais laisser mon poêle allumé en permanence. L'idée, c'est de garder l'inertie de tous les éléments qui composent de tous les éléments du van, les réserves d'eau et tout ça, les aménagements. Donc voilà, faut surtout pas laisser son van refroidir parce qu'après, ça fait autant d'énergie à récupérer le soir quand vous voulez vous coucher.
Donc même si je suis absent, même si je vais skier tout ça, je vais laisser mon poêle tourner en permanence. Grâce aux barquettes, elles peuvent durer entre 10 et 12 heures, on va dire, en fonction de la contenance de cire que vous avez mis dedans. Mais c'est largement suffisant pour tenir toute la journée, quoi. Voilà, donc ça c'est les bonnes pratiques à avoir, c'est de maintenir le van toujours à température en laissant le poêle toujours allumé. Voilà. Donc là, il est 2 heures de l'après-midi et puis il fait dans le van à toujours 20 degrés, donc c'est bien. J'arrive à maintenir 20 degrés dans le van alors que dehors il fait moins 4, donc on est pas mal. Bon, on verra surtout cette nuit hein, comment ça va se comporter, mais il n'y a pas de raison que ça change. Bon, l'idée c'est de voir réussir à garder quand même du 15-16 degrés, quoi, ça serait bien. En dessous, s'il fait vraiment trop froid et que la température extérieure descend en dessous de 7-8 degrés, moins 7, moins 8, et bien à ce moment-là, j'ai prévu quand même d'allumer un deuxième candle stove si nécessaire. Voilà, donc bah, écoutez, là je vais faire un petit tour sur les pistes. Donc, ce qui est sympa du Gard de Lens, c'est que c'est pas une station de haute altitude. Ce qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir skier à travers la forêt. Ça, j'adore. C'est vraiment génial. C'est tout calme, il y a très peu de monde. Là, ils annoncent moins 6 pour cette nuit et dans le van j'ai encore 18 degrés donc bon je suis bien. Voilà, le candle stove est en route en permanence, hein, il fonctionne 24 heures sur 24. Et donc là ce soir je vais me poser gentiment, je vais me regarder un film et puis répondre à quelques mails aussi. Donc je vais faire ça ce soir et puis après je vais me poser tranquillement. Donc là, c'est le réveil matin. Donc il fait moins 5 degrés dehors sur à Lens en Vercors. Donc là où je suis, là je suis à Villard-de-Lans, mais c'est à côté. Moins 5. Et dans le van, j'ai toujours 15 degrés et 60% d'humidité. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà, j'ai un air qui est toujours sain à l'intérieur du van grâce au candle stove qui assainit et qui assèche l'air. Et le poêle, eh bien, il fonctionne tout le temps, il arrive en fin de barquette là, normalement. Et là, il fonctionne à 120-130 degrés, ce qui est pas mal. Et la barquette arrive au bout. Hop. Voilà. Bon, et puis il y a une mèche qui s'est éteinte dans la nuit. Bon, c'est pas grave, hein. Il a fonctionné très bien sur 5 mèches. Et ce qui compte, c'est pas le nombre de mèches allumées, mais bien la température du poêle. Donc là, ce qui compte, c'est qu'il soit bien à 120-130 degrés tout le temps. Donc là, il a fonctionné toute la nuit à 130 degrés avec 5 mèches allumées. Voilà. Et puis dehors, eh bien, c'est tout blanc, hein, forcément. Toc, je vais ouvrir la porte. Oh, ça paye. Ouh, le van est tout blanc. Donc là, je viens d'allumer un deuxième candle stove, hein, puisque en fait là, il fait assez froid, il fait moins 5 degrés actuellement à la Villard de Lens. Voilà, c'est ce qu'ils annoncent, c'est moins 5 degrés, c'est la température actuelle là, moins 5 degrés. Donc j'ai allumé un deuxième candle stove parce que voilà, je vais aller skier et puis je veux pas qu'il fasse trop froid quand je vais revenir. Donc tout de suite, la température remonte beaucoup plus vite, forcément. Donc là, moins 5 degrés, et puis forcément avec deux candle stove allumés, eh bien maintenant j'ai 18 degrés, presque 20 degrés dans le van. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two. Where are you?
8h du matin. Donc là, il fait 6 degrés à Villard-de-Lans à 8h du matin. Et dans le van, j'ai toujours. Moi, j'ai 21 degrés. 21 degrés et 50% d'humidité. Donc on peut dire qu'on est bien. Les deux camps de stove fonctionnent toujours en permanence. Donc ils ont tourné toute la nuit. Celui-ci est quasiment terminé. Hop, et vous voyez, il y a une mèche qui s'est éteinte dans la nuit, donc il a fonctionné que sur 5 mèches. Mais bon, c'est pas gênant. Ce qui compte, c'est pas le nombre de mèches allumées, hein. C'est bien la température du poêle. Et donc là, il est autour de 125 degrés, 130 degrés, donc c'est très bien. Et donc le deuxième camp de stove, lui aussi, voilà, qui continue à fonctionner aussi tranquillement. Et lui, c'est pareil, il fonctionne sur 5 mèches. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Ils peuvent fonctionner sur 5 mèches, ce qui compte c'est la température du poêle, hein. C'est pas le nombre de mèches allumées. Donc voilà, c'est la fin de mon séjour à Villard-de-Lans. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible de partir au sport d'hiver en van, comme je l'ai fait. Vous avez vu comment je m'organise à l'intérieur du van quand il fait très froid. Donc vous avez vu la première journée, la première nuit, j'ai voulu mettre qu'un seul poêle en route. Il faisait moins 4 dehors, j'arrivais à avoir 14-15 degrés. Bon, ça le fait, pour certains ça suffit. Mais moi je suis un peu frileux, donc, et puis comme j'ai un deuxième candle stove, j'ai préféré les autres jours allumer un deuxième candle stove. Ce qui m'a permis d'avoir en permanence autour de 21-20 degrés, autour de 20 degrés en permanence. Alors que dehors, il a fait jusqu'à moins 7 degrés. Donc c'est quand même plutôt confortable. Donc les camps de stove, ils fonctionnaient 24 heures sur 24. Donc je mettais une barquette le matin avant de partir skier. Et puis je la remplaçais vers 8 ou 9 heures le soir pour qu'elle fasse la deuxième barquette toute la nuit, quoi. Donc c'est une organisation à avoir. Je vous ai montré aussi comment je m'organisais, comment j'avais isolé la porte latérale de mon van. Donc ça, j'espère que ça pourra donner des idées à ceux qui ont des vannes tout vitrées ou qui sont très vitrées. Donc ça peut être une solution de faire comme ça, créer un cadre en isolant la porte et dans ce cadre-là, bien carré, mettre un système en place de petits tendeurs avec des oreillers ou des coussins coincés dedans. Et les coussins, en journée, ils servent aussi pour se poser en banquette ou quoi. Enfin bref, après, à vous de vous organiser. Ce que je voulais aussi préciser, vous avez vu, parfois il y a une mèche qui s'éteint la nuit. Donc ça c'est pas grave, hein, puisqu'en fait c'est pas le nombre de mèches allumées qu'il faut regarder en permanence, c'est la température du poêle. Le poêle, sa bonne température de fonctionnement c'est autour de 120-130 degrés. Donc parfois ça suffit, juste 5 mèches suffisent pour que le poêle soit autour de 120-130 degrés. Donc à ce moment-là, ça arrive qu'une sixième mèche s'éteigne, donc c'est pas du tout grave, ne vous inquiétez pas. Et je dirais même au contraire, quand il y a une mèche qui s'éteint, vous pouvez être sûr que la barquette durera plus longtemps aussi. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Bon voilà, c'est tout à fait possible de partir au sport d'hiver en van. Il faut avoir des bonnes pratiques, des bonnes petites habitudes. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites comme d'habitude, vous me laissez des commentaires, vous m'envoyez un mail, vous pouvez aller voir aussi sur la boutique candlestove.com. Et puis, écoutez, sinon, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand exactement, je n'ai pas de rythme prévu pour les sorties de vidéos, donc j'ai fait un peu au fur et à mesure que j'ai des choses à dire. Donc voilà, bonne continuation à vous, et puis à bientôt, au revoir.